partir de 11h du matin avec la bomba fontaine qui va venir jusqu'à 17h demain soir. Et pareil, comme on dit, accueil possible en restauration pour un autre pas sur un autre thème. Voilà, bonsoir, on va parler un petit peu de la Foire Expo parce que c'est la première année qu'on accueille des professionnels donc, sur le site de Saint-Brice. Et donc pour vous, c'était très important de pouvoir avoir un rendez-vous commercial en fin d'année. Tout à fait. Pour nous, c'est très très important d'avoir ce rendez-vous, étant donné que c'est la dernière Foire Exposition de la région, je dirais à 70 km à la ronde. Au niveau de Saint-Brice, nous avons de quoi accueillir les jeunes foyers avec des assistantes maternelles. Nous avons de quoi accueillir les jeunes sportifs avec un club de football. Dans la ville à côté, le village à côté, à 3 km, il y a un gros club de basket. Enfin, nous avons différentes choses. Nous avons des lotissements. Les châteaux Jaumaire donnent de la joie à vos verres. C'est ça. Voilà, j'ai bien retenu la leçon. Avec les vins de Bordeaux, là aussi on a eu l'occasion de le déguster ce midi. On a consommé avec modération, on n'a pas exagéré. Venez déguster un bon vin. Les vins de Bordeaux du château Jaumaire. Après le t-shirt, c'est une femme de Bordeaux. Voilà, je repasse directement au cœur. Avec les officiels, on va rencontrer des exposants. On attend beaucoup de monde demain dimanche, avec le soleil. Je vous rappelle qu'il y a... Donc, elles sont encore expo. La manche avec, vous pouvez retrouver à Rouillier-Froidfond. Qui est présent, le bois créatif, qui réalise donc toute création sur des supports bois avec donc Jean-Louis Verdière. Alors c'est ce qu'il nous dit à chaque fois, ce ne sont pas des jouets, ce sont bien des objets décoratifs.
sur le stand du Château Vert, le sourire dans votre verre, ou le bonheur dans votre verre. Voilà. Petit avec, avec moustache et ses saucissons. Le Château Joubert, dédié au Grand Complic. Et Florian, la bonne bouille. Ah, Monsieur le Président, voilà. Le bric à bric. C'est des graines, produits de beauté. Il pleut, la fête sous la pluie.
Voilà, après donc la bombarde montagne, bien on a notre cracheur de feu qui est en train. Voilà, le cracheur de feu que l'on attend donc pour lancer les animations. Je vous rappelle qu'actuellement donc, vous avez le club de mobilisme de Saint-Denis-sur-Sarthe qui vous propose donc des démonstrations avec des avions et des hélicoptères. Voilà, vous pouvez l'applaudir, hein, parce que attention, c'est pas évident. Ça demande un minimum de concentration avec toute la sécurité que cela demande. Le cracheur de feu qui lance donc une partie des animations de l'après-midi sur la piste PN. Le vin d'honneur avec les officiels, monsieur le maire. Bien sûr, en conservant l'idée de village, de calme, voilà, ce qu'on souhaite donc, c'est que les gens viennent habiter chez nous et qu'ils trouvent disons, une bonne atmosphère pour vivre heureux. Aussi, on a la chance ben, que Sablé à côté, il y a la gare qui se développe.